Bonjour tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo, petite mise au point, petite information, vidéo informative, voilà quoi. Et c'était pour vous avertir de quelque chose que j'ai fait, quelque chose de grave, vraiment très grave, oui. Il faut que vous le voyez par vous-même. Ouais, j'ai craqué. Voilà, c'est ça, du coup... C'est officiel, j'ai une PS4. Oui, oui, alors que je vous dise, ça me démangeait depuis déjà un petit moment. Pas depuis sa sortie, parce que sa sortie, il n'y avait pas grand jeu d'intéressant. Pas grand chose d'intéressant. Mais ça fait au moins plusieurs mois maintenant que j'avais envie de mettre la main sur une PS4, étant donné que maintenant, ça commence à devenir intéressant ce qui sort dessus. Et voilà, du coup, ça fait quoi, 2 ans qu'elle est sortie la console? Un peu plus peut-être? Parce qu'il y a déjà la Pro, bon, on remarque que ça avance tellement vite. Enfin bon. Toujours est-il que maintenant j'ai une PS4, j'ai décidé de m'en acheter une, mais bon, avec la sortie du FF15, je me suis dit, allez hop, autant qu'on achète quelque chose de. Voilà, d'approprié pour ça. Donc voilà, c'était pour vous informer de ce sujet. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est que niveau jeu, je suis encore moins restreint qu'avant. Du coup, j'ai encore un plus large panel de jeux que je peux explorer maintenant. Il y en a quelques-uns qui seront déjà prévus. Il y avait le jeu Cthulhu qui devrait sortir en 2017, même s'il n'y a pas de date précise de sortie. C'est juste l'année de sortie 2017, peut-être que ça risque d'être retardé. Mais toujours est-il qu'il va sortir sur PS4 aussi. Donc du coup, je vais pas avoir me soucier de savoir s'il tourne ou pas sur PC, étant donné que du coup j'achèterai sur PS4, histoire de le faire. Aussi, Resident Evil 7. Il y aura une petite vidéo qui va sortir au sujet de Resident Evil 7 dans pas longtemps. Pas vidéo gameplay, c'est juste une vidéo personnelle à mon sujet-là. Toujours est-il que je compte faire des vidéos sur Resident Evil 7 aussi. Et puis, il devrait y avoir quelques jeux qui vont sortir après, que je devrais probablement faire en let's play. On verra, mais pour l'instant, il y a au moins 2 jeux prévus. Peut-être même plus. Peut-être que si il est sorti sur PS4, Shadow Warrior 2. Je sais pas, parce que si jamais il tourne pas sur mon PC, eh bien du coup je le ferai sur PS4, même si les FPS je préfère largement sur PC, mais bon. Et puis voilà, donc du coup je l'ai depuis pas longtemps, ça doit faire, je tourne les vendredis, peut-être que vous aurez pas la vidéo le jour même, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas je l'ai depuis le mercredi 7 décembre, voilà, vous faites le calcul par rapport au jour où vous regardez cette vidéo, et puis voilà. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de tester un peu Final Fantasy XV, il est bien, j'aime bien pour l'instant. Moi j'ai joué que 2 heures, donc du coup, voilà, parce que j'ai fait beaucoup de choses à côté. Donc, voilà, c'est surtout pour vous informer là-dessus, voilà, que j'ai maintenant mon nouveau bébé chez moi. Et que, vu que la vidéo sur vu que le let's play sur Knock Knock est terminé, je vais pouvoir reprendre Silent Hill 3 et Jack and Daxter. Bon, ça reprendra pas directement la semaine prochaine. Étant donné que là je vais rentrer dans une période d'examen, je vais pas avoir beaucoup de temps de tourner. Donc du coup je vais attendre de terminer les examens, puis ensuite ce sera la période de vacances, donc du coup j'aurai largement le temps de tourner et de poster. Donc probablement je tournerai d'ici... probablement jeudi prochain, voilà. Donc jeudi... ça va être le combien? Jeudi 15 je crois? C'est ça, jeudi 15. Jeudi 15 je tournerai probablement la suite de ces let's play là. Et puis voilà. Ah mais ça me fait penser, il faudra aussi que je vais devoir par contre chercher un nouveau enregistreur pour ma PS4 par contre. Ouais parce que vu que c'est de l'HDMI, j'ai pas de câble par contre rouge blanc jaune pour celle-là. Donc du coup je pense que c'est l'occasion jamais de passer un enregistreur HDMI. Ce qui sera pas plus mal étant donné que comme ça je pourrais faire des vidéos de meilleure qualité. Que ce soit sur PS3 ou PS4, donc voilà, c'est tout bénef pour moi. J'hésite encore, parce que j'en ai vu plusieurs, j'hésite encore sur lequel je vais partir, mais ouais. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais prendre un truc HDMI, un enregistreur HDMI pour tout ça. Voilà, c'est tout, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et j'espère que j'aurai l'occasion de tester le petit bébé. Peut-être que je ferai des vidéos sur la démo de Resident Evil 7. Si je l'enregistrerai avant la sortie du jeu. Peut-être que je ferai une vidéo sur la démo, ouais. Ce sera une façon d'inaugurer ma PS4. Voilà. Enfin, ma PS4 sur ma chaîne. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao.